Yo mes petits potes, donc on suit la Zuma. Celle-là, j'ai déjà faite en enregistrement, donc on va attaquer directement la R32. La R32, pour moi, c'est une très grosse surprise parce qu'au début, où c'était la toute première, je crois, vidéo que j'avais faite. En plus, c'est celle-là qui a le plus de vues sur ma chaîne. Mais là, j'étais complètement différent au début. Donc, il y en a plein qui me disaient qu'elle était très très bonne. Je vais pas vous mentir que quand je la compare maintenant et après. Ça n'a rien à voir. Surtout que j'étais en 100 au niveau, au niveau du pourcentage de pression d'adhérence. Donc autant dire que c'était une vraie savonnette. Là, c'est une fusée. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup avec. Et je pense qu'il y en a plein qui doivent le voir. Après, en termes d'heures, je sais pas si ça va se voir vraiment. Parce qu'en termes d'heures, voilà, elle est quand même basse. Parce que ceux-là, c'est ceux que j'ai vraiment peaufiné à 100%, ces 4-là. Ouais, en termes d'heures, je dis que je joue beaucoup avec, mais forcément, elle est en bas. Mais là, c'est le truc de mes lives, je joue beaucoup avec. Donc je vous mets le réglage. Et je pense que de toute façon, je vais jouer de plus en plus avec. Que j'essaye un peu de varier les voitures. Donc je vais peut-être passer une demi-heure, et je dis une connerie, hein. Peut-être une demi-heure R35, 1 heure avec la Volvo, etc. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous sors la VZ. J'ai un bon petit réglage. Bon, je l'ai fait à l'arrache, je vais pas vous mentir, en 5 minutes, il est déjà excellent. Donc maintenant, je vais essayer de le peaufiner. Si vous me demandez si vous le voulez, je le peaufine derrière. Et la Caravan C6, là, l'espèce de grand break à l'ancienne. C'est pareil, ça là, je l'ai bien réglé. Je l'ai un petit peu peaufiné. Il y a moyen de travailler un peu plus dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'elle sorte. Ça ferait avec un grand plaisir. Et du coup, ça fera deux caisses que sur la chaîne, j'ai pas sorti. Parce qu'à la base, ils avaient un esthétique vraiment dégueulasse. On va pas se mentir, moi je suis pas fan de l'esthétique un peu ancien comme ça. Mais par contre, à fond leur taf. Vraiment à fond leur taf. Bon, bah la Volvo, tout le monde la connaît, hein. Autant dire que tu peux suivre n'importe quelle voiture, t'as aucun problème avec. Même une Viper, tu la suis sans pression. C'est quoi celle-là? Ah oui. Ah, j'ai pas fait beaucoup celui-là. Ah oui. Bon, bah celui-là, les gars, faut pas s'attendre au point. Celui-là, il est buggé. Soit c'est moi qui prends mes trajectoires complètement à l'ouest, mais je la trouve buggée parce que je suis exactement dans les bonnes trajes et ça me dit que je suis pas bon. Bah, je vais peut-être prendre sa cousine, tiens, elle est où? Top. Ça c'est dégueulasse par contre, le SP ça me fait prendre des vieux trucs déjà. Voilà, ça c'est un peu normal. Regardez, hop, je suis dans le bon sens, dérapage dans la mauvaise direction. Là, c'est pareil, je suis dans le bon sens de la route, dérapage dans la mauvaise direction. Et du coup, ça me fait un zéro pointé tout le long. Vous voyez? Alors qu'en haut, il y a bien écrit que je suis le carré vert. Regardez, carré vert, je l'ai pris pile poil dedans, je suis nickel, mais ça met partout mauvaise direction. Donc, dites-moi si vous, ça vous le fait aussi. Regardez, la R32. Un peu plus aigu que les R34. Pour moi, ils sont kick-kick niveau puissance. Y a pas grand-chose niveau. Hop, 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 j'ai fait de la merde. Y a pas grand-chose niveau différence. Après, je trouve quand même que la R32, en tout cas les kits qui est proposé, sont beaucoup plus beaux que la R34. Après, à voir s'il y a des bugs de peinture. J'ai pas fait attention encore. Aïe, 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 aïe. Arrête! Je l'ai à peine touché, je lui ai fait un petit bisou sur la portière. Oh. Et on est reparti! Faut pas être parfait, hein. Je vous dis tout de suite, les gars, faut pas être parfait. Ça serait trop beau si à chaque fois on fait un 100% tranquillement. Tiens, tiens, tiens. Et voilà, et puis là il y a un petit contact, et non, le petit contact il ne l'a pas compté. En sorte, la 34 sur les grands virages, elle veut me la mettre. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris beaucoup d'angle. Je suis pratiquement, bah, je dirais pas en full grip, je suis en travers, mais j'ai pas un angle assez important pour vraiment suivre parfaitement. Mais pareil pour la 32, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez comparé à l'ancienne. Bon, peut-être pas le V1. Il me semble que j'avais fait un V2 dessus.
Donc me dire la différence, la boîte déjà elle a vachement changé, elle est beaucoup plus fluide. J'essaie vraiment de m'améliorer sur la boîte de vitesse. On va, bah tenez, on va se faire le petit Red Rock. J'aime bien petit Red Rock, moi c'est mon terrain préféré hein, les gars, désolé. Il y a beaucoup de Red Rock de toute façon sur mes lives, mais pour moi c'est vraiment le terrain fait pour le drift. Avec le Camiro. Les autres, Sprintstone, pour moi c'est pas terrain de drift. Petersburg, c'est plus pour se taper des barres. C'est pas pour du drift non plus. Là, on est vraiment dans l'esprit drift. Des bonnes courbes tout le temps. Ok, je chicane. Hein. Et après, de l'angle, hein. On peut y aller. Hein. Méga arrière. Et... Il manque chien le méga arrière. Même ce terrain que je suis en train de faire là, on pourra même le faire en live. Ça pourrait être un très bon terrain pour le tandem, je pense. Que tout le temps faire le même. Déjà, j'aime bien qu'on fasse le reverse assez souvent. Et quand je dis qu'on fait le reverse, généralement, les gens ils font une, deux fois, puis ils arrêtent. Parce qu'il est plus compliqué sur la fin. Où il y en a un qui entraîne les autres et du coup, tout le monde le repart à l'endroit. Et ce terrain, c'est vrai qu'il pourrait être pas mal à faire en tandem. Ouais, je propose ça aux gens qui me rejoignent. Ouais, mais il y a des bons virages là. C'est ici par contre. Ici en tandem, ça doit être. Ça doit être vraiment chaud patate. Les droites-gauche comme ça. Les bons transferts où tu mets un bon coup dans le cul. L'expression, mais c'est ça. Ouais, maniabilité, c'est pareil, c'est un jouet cette voiture. Clairement. Combien j'ai fait? Pratiquement 50 000. Vous voyez, j'ai pas forcé après les scores. Moi, j'ai dit clairement, je m'en fiche complet. Je suis pas là pour faire des 70 000 ou des 300 000 par course. Regardez, j'étais à 30 millions. Comment vous dire? J'ai toutes les caisses du jeu. Bon, on n'a pas encore les caisses qui sortiront si certains jours. Ceux qu'on a sur PC, bah au moins je suis calé pour les acheter. Voilà. Bon les gars, mettez votre petit j'aime comme d'habitude, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!